C'est ça ta vie maintenant. Ma vie. Ma famille. Et où sont-ils? Pas très loin. Ce monde... Il a l'air bien. Mais... il ne l'est pas. Il est brisé. À bout de souffle. Tout comme la Horde. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu as la moindre idée de ce qu'elle a fait pendant que tu te cachais? Cette vie est derrière moi. Je ne suis pas votre sauveur. Je ne dirigerai pas la Horde. Je le sais. Mais j'espérais au moins que tu te battrais à nos côtés. T'es suivi. C'est moi qui les suivais. Thrall. Nous ne pouvons plus nous cacher. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse critique détaillée de cette cinématique et je sais que vous vous posez probablement la question, Mal'Shanir, alors oui, critique objective, bien entendu, puisque bah, y a des bonnes choses et il y a des choses qui vont un petit peu moins, j'ai vu un petit peu les réactions. Alors les réactions Twitter sont quand même assez incroyables sur tous les réseaux sociaux, alors où à l'heure actuelle, c'est tomate, on envoie plein de messages de haine. Mais d'un autre côté, quand il y a une cinématique de WoW qui sort, tout le monde est là, waouh, incroyable et tout, I feel good. Alors, bien entendu, je sais, je vous arrête tout de suite parce que je sais qu'il y en a qui vont dire, ah bah voilà, il va encore une fois dire qu'il est pas content, blabla. Non, cette cinématique a des points faibles, on en reviendra. Il y a beaucoup de messages cachés aussi, donc on y reviendra après. D'ailleurs, message caché in-game, mais également hors-game en fait, enfin hors-jeu, hein, on verra, c'est... il y a un gros message qui est aussi transmis. Mais de ce que, bien entendu, en fait, la cinématique en elle-même comporte une ou deux incohérences qu'on détaillera après. Mais dans tous les cas, cette cinématique, bien entendu, elle est belle, bien entendu. Ils ont dépensé des milliers pour modéliser Sorfang, donc on l'utilise à toutes les sauces. Bientôt, il y aura Sorfang à la plage. Bien entendu, on le verra faire des petits châteaux de sable en disant « L'eau se vengera !» On ne sait pas, mais en tout cas, non, clairement, c'est classe. Et franchement, la cinématique est superbe. La cinématique est superbe, il n'y a rien à dire là-dessus. On y reviendra encore une fois après, mais il y a des points faibles qui sont pas forcément propres à la cinématique, mais plus, on va dire, à l'histoire... de World of Warcraft, et je parle pas de BFA parce que j'ai vu des réactions incroyables comme quoi l'histoire de le scénario de BFA est complètement débile, blablabla. Je parle vraiment de World of Warcraft en soi même, enfin World of Warcraft en soi, puisque le traitement de Thrall pose des soucis, on va dire, donc on va y revenir. Déjà, première chose à dire,
Et on attaquera en détail, enfin plus en détail, on va dire, la cinématique. Mais tout d'abord, il y a un thème qui est véritablement, qui n'arrête pas de revenir dans cette cinématique, c'est l'héritage, le symbole de l'héritage. Thrall a été l'héritier d'un ancien chef de guerre, Orgrim Doomhammer. Il a récupéré marteau du destin. Il a ensuite, bien entendu, récupéré le statut de chef de guerre. Et ensuite, il l'a transmis à un autre orc, Garrosh, Hellscream, hein, Garrosh, Hurlenfer. Du coup, le thème de l'héritage est quelque chose de central. Je rappelle quand même que Sorfang, je vous laisse aller voir mes anciennes vidéos sur Sorfang, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment mon point de vue à l'égard de Sorfang. C'est ce qu'on appelle un personnage fonction, un Marcus Jonathan. Je vous laisse aller voir la vidéo sur Marcus Jonathan. C'est absolument indispensable pour mieux comprendre comment on fait un scénario, etc. Mais du coup, Sorfang, c'est un personnage fonction, c'est le vétéran. Le vétéran, voilà, c'est le personnage vétéran. Ensuite, on lui a dessiné 2-3 petits trucs. Et il y a également, l'héritage est également un thème important chez Sorfang, puisqu'il y a son fils Dranosh, qui eh bien, a été tué, blablabla, blablabla. On y reviendra, mais c'est aussi... Donc les deux personnages sont, on va dire, dans leur thème, il y a toujours le thème de l'héritage qui leur est associé. Et là, encore plus, et on va voir, on va attaquer plus en détail donc on va revenir sur certains points avec notamment bien sûr le premier symbole, mesdames et messieurs, le blé. Alors là vous vous dites, bon, avant le blé on va quand même rappeler dans quel monde on est, enfin non, le premier symbole en fait, il me semblait qu'on voyait le monde après, mais non, le premier symbole que l'on voit c'est le blé. Alors le blé c'est quelque chose de très important, notamment au niveau de l'antiquité, puisque le blé c'était, ça symbolisait la fertilité, fertilité, hein, on fait pousser des nouvelles graines qui nous permettent ensuite de manger, de nous sustenter, de faire grandir la famille, tout ça, tout ça. Le blé était également, on va dire, je dirais, un des moteurs principaux de l'économie. Et en plus de ça, ça fait un gros clin d'œil à un film qui s'appelle Gladiator. Et Thrall, bah, si vous connaissez un petit peu son histoire, je ferai une vidéo sur l'histoire de Thrall, ne vous en faites pas, c'est un de mes personnages préférés. Thrall a été un gladiateur, et du coup en tant que gladiateur, eh bien, il a connu les horreurs du combat de l'arène, et le repos du guerrier un petit peu, même si bien sûr tout le monde pense que c'est un chaman, blablabla, oui, on n'est pas dans World of Warcraft, hein, un personnage peut avoir plusieurs étiquettes, plusieurs fonctions, c'est le cas de Thrall. Du coup, Thrall, justement, donc l'aspect gladiator est très très revient complètement ici. Le plan également, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on le rappelle, donc le lieu, nous sommes sur Draenor. Alors je le rappelle, Draenor, c'est tout simplement l'outre-terre, hein, mais donc c'est pas la Draenor alternative, hein, c'est notre Draenor, là où Thrall se repose. Ce qui est intéressant, parce que c'est quelque chose qu'on avait beaucoup évoqué lorsqu'on avait fait le scénario en stream avec les viewers sur Sorfang, pourquoi était-il dans les marais des lamentations, blablabla, tout ça. Et au final, on en avait conclu qu'il allait probablement en Outre-Terre, donc en Draenor, et probablement trouver du soutien. Certains de mes abonnés réclamaient Nazgrel, bien entendu. C'est qui Nazgrel? C'est un DK, ne vous en faites pas, je rigole. Mais on en reparlera un jour de Nazgrel. Mais du coup, on a tout simplement l'arrivée en Draenor, et pour Sorfang, c'est quelque chose d'important, puisqu'on le rappelle, son fils Dranosh, il l'avait laissé en Agrande. Hein. Agrande, c'est tout simplement la zone qu'on va voir, où se repose Thrall. Et l'apport avec le blé aussi, il regarde. Je rappelle que c'est quand même personnage fonction, Sorfang, donc... Il est dans l'idée du souvenir, et il a vécu pendant très longtemps sur Draenor, c'est un orc natif de Draenor. Il revient sur Draenor, il voit justement ce blé qui arrive à pousser, alors que s'ils avaient quitté Draenor, c'est aussi parce que on pouvait plus vraiment y vivre, il n'y avait plus assez de nourriture, plus rien pour pouvoir subvenir à la race orc. Donc c'est assez intéressant de voir que justement il y a quand même du blé qui arrive à pousser, et on se dit tiens, il y a, sachant que on n'est pas retourné en Draenor depuis très très longtemps, notre Draenor à nous, donc on ne sait pas trop quelle est la situation géopolitique. On imagine quand même que Draenor, ça a toujours été l'enfer, une espèce d'antichambre de l'enfer, donc c'est quand même la merde, mais ça a l'air de pas être si la merde que ça. Nagrande a toujours été d'ailleurs la zone la plus fertile de Draenor, donc c'est pas spécialement incohérent, hein, loin de là. Et on voit en plus derrière, un petit peu comme la tour Eiffel, pour vous donner l'image que vous êtes à Paris, hein, c'est très américain ça, nous avons Ochindun, donc qui nous indique que nous sommes bien en Nagrande, mais bon, les rochers volants avec un beau temps, généralement ça nous annonce plutôt qu'on est en Nagrande.
Alors, donc là on voit la maison de Traluné. Alors, vous savez que c'était quelque chose, si vous suivez mes streams, c'était quelque chose, un thème que... Bah moi par exemple, l'absence de Thrall est sensiblement incohérente par rapport au traitement du personnage. C'est un débat que j'ai souvent avec Evan Essor, mais le débat a lieu d'être parce que Thrall, n'oublions pas que... Je suis obligé de faire une petite parenthèse sur son histoire, mais quand même Thrall, bah, en étant le fils... on va dire adoptif d'Orgrim Doomhammer, eh bien il devait porter le poids de l'héritage des orques, essayer de trouver un foyer, essayer de faire grandir la race et de la, on va dire de rétablir l'équilibre et de rétablir l'histoire des orques. Donc c'est quelque chose qui était très important. Tout Warcraft 3 était autour de ce thème. Un livre, même le chef de la rébellion, faisait la transition entre War 2 et War 3. Il y a énormément de choses et Thrall avait un énorme bagage. D'ailleurs, il est très souvent associé à Moïse, hein, et Thor. C'est les deux, on va dire, les deux symboles mythologiques qui représentent Thrall. Le marteau avec les éléments, tout ça, hein, ça c'est Thor. Et de notre côté, d'ailleurs, ça fait très Thor de Marvel, hein, au passage, on y reviendra après. L'apparence et même l'arme. Et à côté de ça, on a tout simplement donc l'héritage, on va dire, du sauveur, du guide, du prophète, qui va trouver une terre d'asile à son peuple et qui va eh bien, leur donner de l'espoir et un souvenir. Premier point qui est très intéressant, Thrall au niveau de son apparence. Alors ça fait... Moi, ça, je vous avoue que d'un côté, j'aime bien son apparence, d'un autre côté, je ne l'aime pas. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on voit qu'il revient complètement vers ses racines Frostwolf, hein, les Loup-Givre, le clan de son père, du Rotan, et de sa famille, donc... C'est cool, on voit les nattes, ça a toujours été bleu hein, les nattes de Thrall, mais on voit aussi les fourrures de loup, etc. On a vraiment l'impression d'un Thrall qui a renoué avec son passé. Mais d'un autre côté, après il est à la vie civile, donc on comprend qu'il porte pas l'armure bien entendu, mais ce qui est un petit peu triste, c'est juste que bah il ne va pas récupérer l'armure dans la cinématique. J'aurais bien aimé au moins qu'on voit l'armure dans un coin ou autre, mais l'armure de Doomhammer, hein, l'armure d'Orgrim, hein, je rappelle que Orgrim c'est tout simplement un personnage très important pour Thrall, et c'est pas pour rien que la capitale s'appelle Orgrimmar, hein, petit rappel. Donc au final l'armure c'était justement, elle a été transmise d'Orgrim à Thrall, et Orgrim considérait que Thrall allait porter sa vision, son rêve. Je vous laisse aller voir l'histoire de Warcraft 2 si vous voulez plus de détails sur Orgrim Doomhammer, mais en gros voilà, il y a toujours eu cette transmission, et le marteau était également, en fait Orgrim, il faut imaginer que c'est un peu Odin et que Thrall c'est Thor dans l'idée. Et Orgrim avait donné son marteau justement hein, à Thrall, et au final Thrall n'a plus rien du tout. Très bonne scène, première scène très intéressante avec la faux que Thrall est en train d'aiguiser, et j'y vois un double sens très intéressant. Alors tout d'abord, quand même, avant de parler des détails sur la faux, Thrall, Sorfang, donc on vient de voir la cinématique, Sorfang qui vient voir Thrall pour lui demander de revenir, mais Thrall lui dit non, je ne veux plus être chef, cette vie est derrière moi, blablabla, et Sorfang lui dit non, mais on a besoin de toi, même si tu ne reviens pas en chef, on a besoin de toi et de tes conseils et de tout, enfin il sous-entend les conseils et tout, et Thrall finalement accepte. Alors ça c'est quelque chose de très important, il faut que j'en parle en premier dans cette vidéo, c'est tout simplement le fait qui, bien sûr, est propre à l'histoire, mais également à une vraie histoire qui se passe dans notre monde. C'est Christy Golden qui a écrit et qui est devenue la chef la chef scénariste, on va dire, de World of Warcraft, et qui a demandé de l'aide à l'ancien chef scénariste de Warcraft et qui est là depuis Warcraft 1, monsieur Chris Metzen. Et Thrall, ce personnage là est doublé depuis très très longtemps en anglais par Chris Metzen. Il a été créé par Chris Metzen. C'est pas pour rien que Thrall est un personnage iconique et aussi important dans l'histoire de Warcraft, c'est que l'un des fondateurs de Warcraft, c'est son bébé, c'est le personnage qui le représente en fait directement. Donc Thrall, là on a un double sens énorme avec Sorfang qui demande à Thrall de venir pour aider dans la situation, dans la géopolitique actuelle de la Horde, à savoir une espèce de guerre civile qui va bientôt avoir lieu et qui a déjà commencé. Et au final, c'est un petit peu ce qui se passe aussi chez Blizzard. Et c'est un appel de Christy Golden qui dit à Chris Metzen, aide-nous, même si tu ne seras plus le nouveau chef, etc. Tu peux toujours nous aider à transmettre tes idées, transmettre ta passion et nous aider à faire ça. Ce qui d'ailleurs est vrai, puisque comme dans la cinématique, Chris Metzen revient chez Blizzard de temps en temps pour donner des conseils, apporter sa vision, pourquoi il avait fait telle chose dans War 2, pourquoi il avait fait telle chose dans War 3, et essayer de connecter ça avec le travail eh bien, de Christy Golden actuel concernant l'avancée de l'histoire de Warcraft. Donc c'est assez intéressant, je trouve, le parallèle qu'il y a entre la situation actuelle des scénaristes de chez Blizzard et également
Eh bien, le travail in-game, en fait, enfin, l'histoire in-game. Donne autre point qui est très important au niveau de, bon, première, de la scène, hein, je parle, c'est cette scène avec la faux, puisque on voit que c'est un Thrall revenu à la vie civile. Thrall est devenu un paysan, hein, tout simplement. Quoi? Quoi? Du travail, encore du travail. Et là, il y a un double sens aussi. C'est tout d'abord, on comprend directement par cette situation que, au final, la question c'était depuis Légion, qu'est-ce que fait Thrall, qu'est-ce qui branle, pourquoi il n'aide pas, etc., etc. J'avais même sous-entendu pendant un live avec, Evanessor. On avait parlé, on avait eu une idée, c'était que Ashara les kidnappait, et ce qui expliquerait pourquoi Thrall n'a pas pu aider la Horde et autres, ce qui aurait été tout à fait pertinent, mais au final, eh bien non, c'est ça a toujours été problématique, c'est que Thrall, en termes de charisme, en termes de puissance, que ce soit scénaristique, que ce soit diplomatique, que ce soit en termes de puissance brute, en termes de guerrier ou en termes de pouvoir, chamanique, etc., Thrall est l'un des personnages les plus puissants. Donc sur tous ces aspects-là de l'histoire de Warcraft, en tant que personnage mortel, hein, pas les divinités, les trucs cosmiques et tout. Hein. Du coup, Thrall, en fait, la guerre civile au sein de la Horde n'aurait même pas lieu d'être si Thrall était présent. Thrall, c'est le chef, c'est lui qui a fondé la Horde. Donc tout le monde, si Thrall il dit violer, tout le monde dit violer en fait. Il n'y a pas de oui mais Thrall, blablabla. Non, Thrall il dit ça, tout le monde suit en fait. Et c'est normal, le mec, il a tout en fait. Il a tout. Il a tout, c'est le héros de guerre, c'est le De Gaulle. C'est le De Gaulle de la Horde, Thrall. Il dit je vous ai compris, et tout le monde fait ouais. C'est ça Thrall. Donc il est absolument intouchable en fait. Du coup, si jamais il y a Sylvanas qui commence à dire oui mais il faut faire ça, Thrall il dit non, tu fermes ta gueule, Sylvanas, ferme sa gueule. Elle serait pas contente, elle comploterait, mais ferme sa gueule. Du coup, un personnage comme ça, pour avancer une histoire, faire en sorte qu'il y ait un con et quel est le meilleur ami de... Enfin, le meilleur ami de Thrall en dehors de la Horde, c'est qui? C'est Jaina Prodmore. Donc Jaina Port-Vaillant. Comment voulez-vous entretenir un conflit hors d'alliance quand le personnage principal de la Horde, il est pacifique? C'est pas possible. Du coup, il faut absolument mettre Thrall sur le côté. C'est quasi obligatoire. Sinon, votre histoire, c'est pas qu'elle avance pas, mais c'est qu'elle sera moins... conflictuel. Je veux dire, depuis BFA, il n'y a jamais eu autant de réactions entre la Horde et l'Alliance. C'en est même devenu débile. Les mecs qui disent là, il y a des membres de l'Alliance du coup qui sont pas contents, qui ont une cinématique sur la Horde et ils se disent oh là là, là c'est encore la Horde qui est servie. Gna, 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 gna. Pour vous montrer à quel point le conflit Horde-Alliance alimente quand même les réactions et touche la corde sensible. Donc, au final, Blizzard a pas trop intérêt à ce que le conflit Horde-Alliance soit pacifié. Soit annulé. Ils veulent au contraire entretenir cette rivalité entre les deux. Et un Thrall, il doit être mis de côté. Même si scénaristiquement c'est une incohérence complète, il faut mettre Thrall de côté. Ce qui est un sujet épineux. Et ce qui d'ailleurs, Blizzard a mis de côté Thrall pendant très longtemps. Et en évitant, plus, pour justifier ça, c'était on n'en parle pas, ça passera inaperçu. Et tout le monde a trouvé ça normal. Génial. Du coup, là, justement, la réaction, c'est non, Thrall a arrêté la vie politique, on va dire, et la vie militaire, et maintenant est repassé dans Draenor, dans le monde ancestral des orques, et essaye d'élever sa famille avec sa femme, tout simplement sur un Nagrand, et voilà. Donc, on a la faux, justement, il entretient cette vie de fermier, hein, où il va aller faucher du blé, tout simplement, avec sa faux. Mais il y a un autre sens. Que j'ai remarqué, c'est que il forge, donc comment ça s'appelle, c'est une pierre à mince, il aiguise sa faux. Donc ce qui est assez drôle, c'est que comme il a la vie civile, son inaction aiguise la faux. Quel est le représentant? La faux, c'est une représentation évidemment de la mort, et son inaction aiguise la faux. Ça aiguise quoi? Le fait qu'il y ait une place vacante au sein de la Horde, le fait que Thrall ait donné sa place à Vol'jin et que Vol'jin soit mort, a permis l'arrivée au pouvoir de Sylvanas. Sylvanas a toujours été une comploteuse, hein, je le rappelle, toujours été une comploteuse, toujours une connasse, team connasse, et elle a tout simplement, maintenant qu'elle a les pleins pouvoirs, elle fait ce qu'elle a toujours fait par le passé, sauf que maintenant elle a plus de pouvoir, elle a même plus besoin de comploter, parce qu'elle est, elle est plus à l'arrière, elle est devant. Donc elle a même plus besoin de comploter. Donc au final, c'est un gros écho bien sûr, ce qui est fait, c'est son inaction permet à Sylvanas de faire ses exactions.
Alors évidemment là tout le monde va dire Garrosh 2.0, Garrosh 2.0, vous savez si vous suivez un petit peu mes lives et mes vidéos que je n'y crois absolument pas au Garrosh 2.0. Donc pour moi Sylvanas ne sera pas, si elle est tuée dans l'extension, ce ne sera pas en tant que méchante mais en tant au contraire que sauveuse ou voilà, enfin il va y avoir un traitement qui fait que Sylvanas va aider contre très probablement l'ennemi, le vide. Donc voilà, ça c'est un petit rappel. Donc voilà, Thrall aiguise sa faux, Sorfang arrive. Alors on va en reparler après, mais c'est absolument génial je trouve. Sorfang arrive les mains nues. Imaginez le voyage qu'il s'est tapé à pied, hein, le pépère. Il a fait toute la péninsule des flammes infernales, il a fait la forêt de Terrocar, le désert des osseux, boum boum Nagrand, tout ça à pied tranquille. Apparemment Draenor c'est devenu plutôt sympathique, plutôt pacifique. Enfin bon, c'est pour rigoler, mais j'imagine tellement l'aventure de Sorfang à main nue, et on y reviendra après. Donc voilà, Sorfang. Alors, vous savez que je n'aime pas trop Sorfang. Depuis, c'est vrai qu'il a atteint le stade de héros, mais j'ai jamais aimé Sorfang parce que c'est d'un putain de forçage de Blizzard. C'est voilà un personnage fonction, on sent pas les couilles, on a plus de place, on a plus de héros, boum! Imposons ce personnage-là qui ne sort de nulle part, que les joueurs ont kiffé parce qu'on n'avait pas d'autres personnages à vous proposer, et du coup on vous le force par le biais de plein de cinématiques et de oui c'est une légende, blablabla, blablabla. Je sais, je vais avoir des ennemis dans les commentaires. Désolé, c'est la vérité. Désolé, c'est la vérité. Du coup, ce qui me fait très rire dans cette cinématique, c'est que bah, pour une fois, j'applaudis Sorfang, puisque Sorfang vient voir Thrall et lui dit « T'es qu'une merde, qu'est-ce que tu foutais depuis... qu'est-ce que tu fous depuis des années? Putain, on a besoin de toi, peut-être de con, bouge-toi le cul, bouge-toi le cul !» Tu te branles les couilles, Thrall. C'est clairement ce qu'il lui dit Sorfang. Alors, j'adore aussi le fait que Sorfang dise à Thrall « Où est ta famille ?» et Thrall dit « Ma famille est loin. » Comment économiser hein, le budget CGI qui flambe avec la création de Thrall et de ce beau décor. Bon, c'est langue, j'avoue, c'est un petit peu salaud de ma part, mais c'est rigolo, je trouve. Et absolument, n'y voyez pas quelque chose de méchant, c'est plus que ça me fait rire. Genre, où est la famille? Ouais, dans, elle est par là. Elle est dans le champ de blé au fond, elle conduit le tracteur, bien entendu. Et par contre, ça c'est très intéressant, parce qu'on attaque le vif du sujet avec Sorfang, qui dit, voilà, ce monde est devenu plus beau qu'il ne l'était par le passé, mais c'est que du maquillage, il a l'air bien, mais il ne l'est pas. Alors, attention, en anglais, il dit pas il ne l'est pas, il dit, c'est... Ça change complètement la traduction. Il y a deux parties dans la vidéo où la traduction... Alors d'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils ont pas traduit ça, parce que, enfin, ils ont mal traduit ça du coup. Parce que moi, il n'y a pas de problème. Hein. Enfin, mais là, la traduction, genre, a un autre sens en fait. Enfin, parce que là, il dit ça ne l'est pas. Elle a l'air bien, mais ça ne l'est pas. Et on voit justement le blé qui semble être un peu pourri, ou en tout cas qui semble mourir. Donc pour montrer aussi que Draenor, bah, la vie est difficile sur Draenor et que même si on peut essayer de la sauver, ça reste très très compliqué. Et Sorfang nous sous-entend que la vie est précaire, on va dire, sur Draenor, ce qui a toujours été dit, hein, même si des orques et des Draenei sont revenus sur Draenor histoire d'établir leur vie, ça reste quand même très précaire. Le truc, c'est que il dit justement, il dit pas ça ne l'est pas, it is not, il dit it is wrong. Et ça, c'est un autre sens. It is wrong, c'est mauvais. Ça a presque le côté mauvais, en fait, it is wrong. Donc, il y a une petite différence qui, je vous l'avoue, n'est pas non plus incroyable, mais qui sous-entend que voilà, Draenor, c'est quand même mauvais, entre guillemets. Mais après, il fait cette métaphore pour montrer que voilà, le monde est pas bon. Enfin, le monde de Draenor semble radieux, mais ça ne l'est pas. Il est brisé, il est détruit, etc. Et c'est comme la Horde. Donc l'image est plutôt jolie, hein, je trouve. Alors là, ça c'est très intéressant. Parce que moi, un des points faibles de la cinématique, je trouve, c'est le fait que Sorfang, le fait que Thrall se soit caché, et on a presque l'impression que c'est Sorfang, le premier mec, à aller voir Thrall et lui dire « Ah, en fait, tu veux pas revenir ?» Il y a des orques sur Draenor, en fait, sur l'Outre-Terre. Il y a énormément d'orques. Je veux dire, Thrall, même s'il s'est retiré de la vie politique, il y a forcément des personnes qui vont le voir, il a forcément des messages, etc. Genre là, on a l'impression que le mec, il s'est tellement exilé qu'il n'y a personne qui a été le voir. Mais ce qui est drôle, c'est que quand même, ça c'est toute l'impression de la cinématique, mais d'un autre côté, quand il dit ça, il ne répond pas. Et qui ne dit mot constant, bien entendu. Mais ça sous-entend que Thrall a eu vent de ce qui s'est passé. Ça sous-entend ça, en tout cas. Et ce qui est très drôle aussi, je trouve, enfin ce qui est très drôle, ce qui est encore une fois très symbolique, c'est le fait que Sorfang lui demande « Est-ce que tu sais ce qui s'est passé ?» Et là, la vision de Thrall regarde une chose,
c'est le collier de Dranosh, le collier de Sorfang, qui est le collier du fils de Sorfang, Dranosh. Dranosh qui est mort au combat contre les troupes du roi Lich lors de Wrath of the Lich King. Et pourquoi c'est très intéressant et hautement symbolique. Il y a bien sûr le symbole de la Horde dessus, donc Thrall a une vision de la Horde. Et quand je vous parlais de l'héritage, c'est encore plus vrai ici parce que Thrall, la dernière fois qu'il était en fonction, il avait lâché son poste pour le donner à son héritier, qui n'était pas un héritier un petit peu comme Orgrim avec Thrall, c'est un héritier, c'était l'héritier, on va dire, pas de sang, hein, c'était Garrosh. Garrosh a détruit cet héritage-là. Dranosh était passé du côté, enfin, avait été tué au combat et avait été ramené en tant que chevalier de la mort et avait été devenu un ennemi de la Horde. Garrosh est devenu un ennemi de la Horde lors des événements de fin Wrath of the Lich King, Mist of Pandaria et Warlord of Draenor. Donc, au final, en plus de ça, on voit que le collier est en piteux état, il y a eu du feu, etc. Donc, ça, vraiment, ça représente l'héritage raté, en fait, de Thrall avec le fait que son héritier a détruit tout ce qu'il représentait. Il a détruit la Horde à son image et ça l'a profondément affecté. Et c'est pour ça qu'il a fui en fait, enfin qu'il s'est exilé. Ce qui est quand même assez dingue. En fait, Thrall est en dépression tout simplement. Il y a un gros écho avec le Thor de Marvel hein, qui est en dépression aussi. C'est un peu le même délire. Et au final, là avec ce symbole, c'est vrai que ce que je trouve très drôle, c'est que, enfin très drôle, c'est pas drôle, mais ce que je trouve intéressant, ce que je trouve fort, c'est l'idée que justement il en a marre de l'héritage représenté, enfin il en a marre, l'héritage c'est terrible, et encore une fois, pourtant c'est quand même son héritage malgré lui, Sylvanas qui est devenu chef de guerre de la Horde, qui amène cette situation où Sorfog implore Thrall de l'aider, tout simplement. Donc il dit, celui qui est derrière moi, je ne suis pas votre sauveur, encore une fois l'image de Moïse, hein, il a toujours été le sauveur de la Horde pendant je ne sais pas combien d'années, je ne suis pas un sauveur alors qu'il l'a été depuis War 2 quasiment, enfin depuis la fin de War, depuis le début de War 3 jusqu'à... Cataclysme en fait. Donc Cataclysme porte très bien son nom. Je ne dirigerai pas la Horde. Et là encore une fois, c'est la différence. Donc là, on sent qu'il est désabusé le pépère. Et on a Sorfang. Ça c'est aussi. Là, il dit je le sais en français. En anglais, il ne dit pas ça. Il dit je ne l'ai pas demandé. Et c'est intéressant parce que ça change quand même pas mal le sens. Là, c'est je le sais. Je ne l'ai pas demandé. Ça sous-entend qu'il ressent, qu'il sait pourquoi Thrall ne veut pas être chef de guerre. C'est on va dire un fond un peu plus intéressant, et Sorfang dit justement, en fait, je veux t'aider, je veux juste que tu... Non, enfin, justement, je veux ton aide, je t'implore de m'aider pour pouvoir justement sauver la Horde, en fait. Donc, Thrall rejoindrait la Horde pas en tant que chef de guerre, mais en tant que combattant, ce qu'il a déjà fait dans Légion, etc. Dans World of Draenor, etc. Donc, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'avant l'attaque des morts-vivants, au final, il retourne vers son établi, et on sait que sa hache est coincée en dessous, donc, enfin, est bloquée en dessous. Donc, ça sous-entend que même avant l'attaque des morts-vivants, il allait venir aider. Hein. On le voit, regardez ce plan-là, il va venir aider Sorfang. Ce qui est très drôle, c'est que l'attaque des morts-vivants... Au final, Thrall, d'ailleurs, a un aspect très intéressant au niveau de sa nouvelle armure, même si bon, je suis déçu qu'il n'ait pas l'armure d'Orgrim. On a l'impression, si vous faites attention, c'est exactement la tenue d'Orgrim et d'Urotan dans le film, Warcraft. Sauf que bon, il a la peau verte, bien entendu, mais c'est vraiment écho à ça. Et d'ailleurs, la hache, on y reviendra après. Bon, du coup, il y a les morts vivants qui attaquent, blablabla. Donc, des nécro-trackers envoyés par Sylvanas. Et là, ce qui est très drôle, c'est que Thrall dit « Tu as été suivi !» Ils se vengeront, tu as été suivi. Et là, Sorfang, alors ça, c'est l'incohérence majeure de la cinématique. Bon, il y avait l'incohérence du Thrall, machin. Bon, après, on peut imaginer qu'il est exilé, tout ça. Moi, ça, la pilule passe pas, mais à la limite, on va dire que là, c'est un peu plus ouvert à débat. Là, par contre, c'est une véritable incohérence. Il n'y a pas de débat à avoir. Sorfang dit non, c'est moi qui l'ai suivi. Et double incohérence. Déjà, dans World of Warcraft... Si vous jouez à BFA, etc., quand vous avez fait la mission pour suivre Sorfang, quand Sylvanas vous demande de trouver Sorfang et potentiellement de le tuer avec les Necrotrackers, eh bien, on se rend compte de quoi ? On se rend compte que, au final, elle a jamais sous-entendu qu'elle voulait tuer Thrall. Et on sait que, du coup, Sylvanas traque Sorfang. Sorfang quitte les marais, il tue les Necrotrackers, il quitte les marais pour aller en Draenor et aller trouver Thrall. Le truc, c'est que Sylvanas, quand on va redonner la quête, Sylvanas dit qu'elle, de toute façon, elle trouvera Sorfang et elle l'abattra. Au final, les Necrotrackers qu'on voit, on se dit tout de suite, c'est bien sûr Sorfang qu'elle traque. Et là, non, c'est moi qui l'ai suivi. Ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend que Sylvanas veut tuer Thrall
pourquoi elle veut tuer Thrall alors que Thrall s'est totalement exilé et qu'il a perdu toute notion, il a perdu ses balls, putain, il a perdu ses couilles. Donc merci d'ailleurs Sorfang de l'avoir relevé dans la cinématique. Mais pourquoi Sylvanas voudrait tuer Thrall? Et surtout, est-ce qu'il y a des indices qui nous disent que Sylvanas veut tuer Thrall? Absolument aucun. Et pourtant, même si elle a caché pas mal de ses plans, Sylvanas, elle nous a montré à plusieurs reprises que... elle nous dit, voilà, Sorfang, je veux le tuer, il a trahi la Horde, tout ça, tout ça. Si elle voulait faire pareil avec Thrall, elle l'aurait dit, ou alors en tout cas, elle aurait montré qu'il y avait une obsession stalinienne, voilà, en mode, voilà, nous, oui, Thrall pourrait être une menace, tout ça, pour mon pouvoir, et il l'aurait tué. Or, il n'y a jamais eu ce sous-entendu ou cette obsession déguisée, donc à aucun moment. Pourquoi, du coup, les Nécrotraqueurs laisseraient Sorfang alors qu'on a toujours dit ils traquent Sorfang, et pourquoi ils iraient traquer Thrall? Je veux dire, au sein même de BFA, plusieurs fois, on nous dit que Sylvanas a des problèmes de ressources et que c'est pour ça qu'elle va chercher les races alliées, c'est pour ça qu'elle va chercher l'aide des Andalari, etc. C'est parce qu'elle n'a pas suffisamment de ressources pour tenir tête à l'Alliance et aux ennemis de la Horde, et à ses ennemis, du coup. Donc, pourquoi elle gaspillerait des ressources importantes à traquer un mec qui ne lui en veut absolument pas et qui s'en bat les steaks de ce qu'elle fait? Traquer Sorfang, oui, parce que Sorfang représente une menace. Il y a clairement une rébellion, etc. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et à quel moment vous essayez de déjouer un assassinat quand vous n'avez pas de putain d'armes? Sorfang, il arrive sans sa hache, normal. Ah bah oui, c'est moi qui l'ai traqué. Ah bah oui, ah bah efficace le pépère, hein, genre... Non, donc ça c'est pas possible, hein. Ça c'est complètement débile et c'est complètement incohérent. Pourquoi c'est incohérent? Et je comprends pourquoi Blizzard l'a fait. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, et visiblement sur les réseaux sociaux, il y en a qui ont du mal à cerner, on va dire, les sous-entendus, etc. Il faut absolument, hein, la Légion Ardente, ils sont tous verts, comme ça vous avez le code couleur simple pour les enfants de 6 à 10 ans et vous comprenez que ce qui est vert est démoniaque. Et bah là c'est pareil, c'est on fait traquer Thrall parce que Sylvanas c'est la méchante, hein. Oh, elle est très méchante Sylvanas. Alors oui, on sait que Sylvanas c'est une connasse, mais il n'y a pas besoin non plus de nous dire qu'elle veut assassiner n'importe qui. Qu'elle veuille assassiner Sorfang, c'est tout à fait logique, qu'elle veuille assassiner Thrall, absolument pas. Donc apparemment, bah, Blizzard doit faire des trucs débiles comme ça pour que les gens comprennent ça apparemment, hein. Donc bon, c'est un petit peu triste, mais c'est complètement incohérent. Finalement Thrall va, alors j'ai eu un faible espoir que ce soit Doomhammer, mais ça ne l'était pas bien entendu, mais je le savais, hein, que ça n'allait pas être Doomhammer, j'avais vu les concept art. Du coup c'est la hache de Durotan au final qu'il récupère, en tout cas celle qui ressemble énormément à la hache de Durotan du film Warcraft, pardon, Warcraft le commencement. Donc c'est quasiment la hache que tient Durotan dans le film Warcraft 1. Et donc encore une fois, la symbolique est très forte, hein, le fait qu'il reprenne l'héritage de son papa, hein, Durotar, la zone, hein, qui est en hommage à Durotan, son papa. Donc c'est assez intéressant de voir ça, même si bon, au final, je suis à la fois content, la cinématique est belle, mais d'un autre côté, le traitement de Thrall, encore une fois, me déplaît énormément. Et il y a cette attaque, on va dire, qui devrait être... Surtout que je ne comprends pas, enfin, ils ont juste à dire, oui, bah oui, non, ils traquaient Sorfang, et finalement, Thrall a été impliqué dans ce délire-là, et bah, Sorfang, du coup... mais de toute façon, genre, Thrall allait récupérer la hache avant même le combat, donc je ne comprends pas, mais c'est pas grave. En tout cas, Thrall va se battre pour la Horde et restaurer la Horde pour laquelle il a toujours œuvré, sauf qu'il ne veut plus être le chef. Ça, on le comprend tout à fait, mais alors pourquoi il l'aurait pas fait directement quand il a appris les nouvelles, etc. Bon, ça, c'est autre chose, hein. Thrall, encore une fois, il doit être là sans être là. Honnêtement, quand je vois le traitement de Thrall, je me dirais, et c'est l'un de mes personnages préférés, mais tuez-le. Si vraiment Thrall pose souci au niveau de l'avancée de l'histoire, etc., tuez-le, mettez-lui une bonne mort, une belle mort, un combat épique contre un démon gigantesque ou je sais pas quoi. Par exemple, ça aurait été intéressant de le faire mourir contre Kil'jaeden, peut-être, un truc comme ça. Mais tuez-le, parce que si c'est pour que ce soit complètement incohérent et qu'il parte, au final, il part pas, il revienne, machin. Bon, dans tous les cas, peut-être que vous allez me poser une dernière question, c'est où est le marteau? Il est clairement établi que le marteau n'a pas été détruit, hein, parce que je sais que vous allez dire, mais si, au début, eh bien, de BFA, on casse les armes légendaires, blablabla. Non, les armes, on l'a vu avec Xalatat, je crois, la dague du prêtre ombre.
Certaines armes légendaires n'ont pas été détruites, justement, même si elles sont vidées de leur puissance, elles ne sont pas détruites. Et il est possible que Thrall, un petit peu comme Moïse ou Thor, doivent regagner ses pouvoirs, doivent regagner son honneur, etc. pour pouvoir réutiliser son marteau. Peut-être que c'est l'idée ici, qui est une espèce de voyage initiatique pour montrer qu'il est de nouveau apte, un petit peu à l'image de Rocky aussi, qu'il est de nouveau apte à porter Doomhammer. On verra là-dessus, mais bon voilà, pour cette cinématique, je pense qu'elle est superbe, je pense qu'elle est très bien trouvée, il y a des superbes symboliques, il y a des superbes images. Et Bane, chef de garde de la Horde, s'il vous plaît, faites en sorte que soit Bane le chef de la garde de la Horde. Bane a beaucoup de choses à donner à la Horde, donc donnez-nous Bane en tant que chef de guerre. Voilà, merci. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, à plus dans le Nexus.